Voilà, de retour à Place Abéry. On est en plein cœur de ce mondial 36 mètres espoir. Hier, on a donc vécu des demi-finales à mer nue avec la France, eh bien, qui s'est malheureusement inclinée. Tout à l'heure, on a vu la première demi-finale probante. Les Français, à palette à cuire, se sont imposés face à l'Argentine. Ils rejoignent d'ailleurs la France à Palacorta, qui jouera contre l'Espagne. Et ici, nous avons donc la sélection espagnole face à la sélection mexicaine. Jean-Pierre Abébéry égrène le nom des joueurs. Voilà. Alors, Christophe, ce Luis Molina, l'avant mexicain, petit phénomène, très doué, venu du front tennis. Oui, venu du front tennis, dans le top 3 des joueurs de front tennis au Mexique, déjà à 19 ans. Il était déjà à Tarbes il y a 4 ans, à 15 ans. Il sera l'année prochaine probablement au Trinquet également pour les mondiaux des moins de 22 ans. Il sera sûrement pas très loin du compte. Voilà. Et non, excellent joueur. Excellent joueur, accompagné d'un arrière qu'on connaît moins, mais bon, qui certainement va faire du jeu. Et en face, nous avons donc les deux joueurs espagnols qui, j'avoue ne pas reconnaître, je les ai vus à deux reprises. Devant, nous avons Carlos Baeza. Voilà, Baeza, alors lui. De Balielado. Voilà. Plein centre de l'Espagne. Ah, heureusement que je vous ai, Christophe. Oui, et son arrière. Nous sommes jumelés avec ce club. Ah, Saint-Martin. Oui. Décidément. On est en échange avec eux. Et la Banda Bonga également de Saint-Martin. La fameuse Banda Bonga. Oui, voilà, nous sommes allés. J'ai hésité à prendre pour mon mariage, mais elle n'était pas libre. Ah, c'est fort dommage parce qu'ils sont très performants. J'en doute pas. Surtout après la messe. Voilà. Et à l'arrière. Et à l'arrière, c'est Isaac Siauritz. D'accord. De Pampelune. Un Navarrais, l'école navarraise de la Pala et de la Paleta. Exactement. Bon. Et donc, a priori, l'Espagne favorite, mais on les a vus un petit peu, vous l'avez dit tout à l'heure, timoré, pas forcément vainqueur toujours, mais jamais trop décisif par la marque. Pas dominant. Non. Et là, ils vont se heurter à des Mexicains qui vont envoyer, voilà, avec ce revers. Ouais. Il a voulu tirer le mur déjà. Oui. Hein, voilà, on plante le décor à la mexicaine. Tout à fait, c'est bon, voilà, c'est un joueur. Je vais vous demander de vous pousser un peu comme ça, je suis un peu à l'étroit. Pardon. Voilà. Oui, c'est un joueur de front tennis, donc le front tennis est quand même une spécialité qui est très portée sur l'offensive. Donc il ne va pas se renier en changeant d'instrument. C'est un joueur qui va tirer le point à la moindre occasion, il l'a déjà prouvé. Et déjà sur le premier point, on a vu déjà les Espagnols pousser à la défense. Donc, voilà, avec un arrière gaucher qui j'ai pas trouvé très à l'aise à les rebots sur les premières et qui faute au but déjà. Alors ça c'est le problème du gaucher, il doit bien tenir sa pala. Oui. Parce que sinon s'il commence à. Ah, s'il touche le mur de gauche un peu trop, ça part directement. Ouais, parfait. Mais je ne l'ai pas trouvé rassurant ni au but, je l'ai déjà vu faire ça depuis le début de la semaine, ni à les rebots non plus. Pour un joueur de palette à cuir, c'est préoccupant. Oui, à voir les Mexicains s'ils arrivent à exploiter. Fouiller ce coin. Voilà, les Mexicains qui seront peut-être moins dans le. Qui seront un peu plus imprévisibles, peut-être un peu plus anarchiques dans leur jeu, mais capables de tout, quoi. Tout à fait. Ici, voilà, belle défense de l'arrière mexicain qui est venu chercher cette pelote à droite, le revers de Molina, donc le petit prodige mexicain. Il a bien fait de la prendre parce que la pelote, elle ne sortait pas, on ne saura jamais. Et voilà, les revers qui fonctionnent à plein. Christophe, est-ce que ces Mexicains sont plutôt mieux disposés sur leur côté gauche? Certainement. Concrètement, oui. Parce que ça se voit déjà un petit peu. Quand on les joue, la stratégie, c'est de les éloigner. Déjà, ils s'éloignent naturellement du mur de gauche. Parce qu'à front tennis, la pelote sort énormément du mur de gauche. Donc, ils sont relativement éloignés du mur de gauche. Mais il faut absolument leur toucher le coup droit. Parce qu'avec le coup droit, ils sont moins à l'aise. Avec le revers, ils font ce qu'ils veulent. Notamment au niveau de la hanche, quand ils prennent au niveau de la hanche, ils peuvent vous tirer un demi-mur, ils peuvent vous mettre une frappe très sèche parallèle au mur de gauche. Non, ils sont vraiment très performants côté revers, côté coup droit parfois un peu moins. Voilà, au niveau du score, eh bien, 2-1, évidemment rien ne s'est dessiné, un rebote. Et les rebotes, là c'est plus compliqué pour l'arrière mexicain. S'ils veulent reboter du coup droit, je l'ai vu aussi depuis le début de la semaine, je ne comprends pas alors, avec le revers qu'ils ont.
J'ai remarqué qu'il les faisait reboter du coup droit et que l'entraîneur a insisté sur ça. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Alors que... On irait lui demander, tiens. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le coup droit? Ouais. Vous avez vu que, voilà, toujours les revers, hein, prioritaires pour revenir et prendre des risques aussi avec... Oui. C'est le jeu. C'est le jeu contre les Mexicains. Il faut aller chercher la main droite. Et là, Carlos Baeza a tapé un peu trop haut sur le mur de gauche et la pelote est sortie de quelques centimètres. Mais le jeu demandait ça, de faire un demi-mur. L'avant mexicain était coincé à gauche, derrière son vis-à-vis. C'était bien joué. Voilà, ça fait 3-2 pour la France, qui n'a pas encore pris. Pour l'Espagne, pardon, facilement. Qui n'a pas encore pris ses marques, mais les Mexicains, avec ce revers, voilà, oui. Bah, et ça s'écarte du couloir, parce que Molina, au milieu de la cancha, se met avec le revers. S'il est capable de lui mettre un demi-mur, donc Baeza est obligé de s'écarter, mais Siauritz n'est pas venu couvrir la zone là d'entre deux. Parce que quand l'avant s'écarte, il faut que l'arrière remonte. Ça peut être le cas, donc attention. Et cet arrière espagnol qui ne touche pas très bien, hein, jusqu'à présent. Ouais. C'est le début. On l'avait dit, c'est peut-être une rencontre à haut risque pour l'Espagne. 3 partout, les Mexicains vont jouer leur va-tout avec cette grinta qui leur est propre. Et ce sont des garçons qui ne lâcheront rien. Et là, ça y est, on commence à distribuer le jeu. Les pelotes durent un petit peu plus. Voilà, il essaye de... Aïe. Ça va rester dedans. Hein, il fallait essayer de la prendre parce que c'était vraiment limite. L'Espagnol qui essaye de serrer, de ranger à gauche. Et là, le Mexicain en embuscade. Ouais, en reculant comme ça en défense, c'est un peu osé. Hein. Ouais, et il recule et il a force. Donc il n'y a pas trop de sécurité au niveau de... Au niveau de son geste et de son mouvement, et il fait la faute. Et on a vu que les Mexicains, plus c'est difficile, mieux ils sont. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ben voilà, ils sont même devant, 4-3. On le rappelle, l'Espagne a priori favorite, mais ce Luis Molina distribue parfaitement, toujours cette posture du revers. Et l'Espagne, évidemment, réplique, hein, on a des échanges assez longs. Et là. Ouais. Alors là, clairement, il faut rentrer. Sinon, non, c'était compliqué pour Luis Molina de rentrer. Il aurait dû faire beaucoup mieux avant, notamment aller chercher cet arrière à les rebotes. Il a joué trop court. Et si les Mexicains, je pense, s'empalent un peu trop sur Baeza à l'avant espagnol, ça va être compliqué pour eux. Je pense que clairement, il faut jouer le maximum à 2 contre 1 sur l'arrière espagnol. Il faut le solliciter un maximum. Parce que l'avant, Baeza, c'est quand même un danger. Son bras va très vite et voilà. En défense, il peut fauter. En forçant trop, comme on a vu avant, il force un peu le jeu. Mais en attaque, il distribue et croise bien. Ah, parfait. Superbe, par-dessous. Typique. Sans forcer. Ouais, toucher, mais en mettant les faits avec du toucher, ça marche. C'est surprenant aussi pour le parce que les Espagnols, voilà, ils ont un jeu un peu plus classique, un peu comme nous d'ailleurs. Voilà, on n'est pas habitué à jouer contre des joueurs comme ça qui vous tirent le point immédiatement et sans construire. Ouais. But, retour, ils tirent. Voilà, nous, c'est pas vraiment dans notre culture et les Espagnols non plus. Quand il y a des oppositions comme ça entre des pays qui jouent entre guillemets classiques et d'autres, ben, c'est celui qui arrivera à imposer son jeu qui remporte la partie. Il faut que les Espagnols ils arrivent à imposer leur entre guillemets classicisme et leur, Style de jeu, leur rigueur, exactement. Style de jeu. Voilà, les Espagnols ont repris un petit peu de quelques couleurs. Ils sont toujours menés. Et ils viennent d'égaliser à 5, ça y est. Quelque chose me dit qu'on va assister à une rencontre un petit peu hachée avec des... 5 partout. Avec peut-être, des... Pas trop de certitude. Si les Espagnols se sentent un peu menacés, il faudrait voir leur capacité à rester dans la partie, à ne pas paniquer. Mais c'est vrai que le Mexicain est déstabilisant, son jeu est déstabilisant. Et... C'est encore un but là. Palette, sortir. Ça, les palettes, c'est pas. Ah, mais c'est faux. Eh non, c'est resté dedans. Ah. Oula, ça lève pas, on ne sait pas. Là. Non, finalement. Ah, mais non, mais elle était fausse. Hein.
Vous l'avez vu fausse, Christophe? Ouais, ouais, elle était fausse dans, à gauche, en haut. Et là, je pense qu'Arcelus ne va pas être content. Voyons, non, il, bon, je sais pas. Voilà, Arcelus, hein, entraîneur espagnol, oui. Bon, il a pris de l'âge aussi. Il ne peut pas non plus s'emporter pour tout et rien. Non, non. Ah, c'est pas raisonnable. Mais l'arbitre du 4 avait levé le bras. Hein. Voilà, alors l'arbitre du 4, c'est, je crois, l'arbitre français Sébastien Vérité. D'accord. Bon. Et oui, mais Alejandro Valera, notre ami oui, uruguayen en 7. Immuable arbitre, lui aussi. Il doit être à sa 20e année de mondial. Tout à fait. Et c'est lui le chef en 7. Ah, oui. Et lui, il n'a pas levé le bras, ce qui fait que. C'est pour ça que le point a continué, je pense. Oui, tout à fait. Et ça peut déstabiliser un peu les joueurs. Je crois que l'arbitre avait commencé à lever le bras et un peu, l'avait un peu rebaissé. Oui. Donc on était un peu dans le flou. Bon, parfait. Quoi qu'il en soit, ça permet au Mexique quand même de prendre 2 points d'avance. Les Espagnols qui égarent les pelotes seuls. Et les Mexicains, concrètement, ils allongent beaucoup plus le jeu pour l'instant que les Espagnols. Et c'est vraiment très étonnant. Mais si les Mexicains, ils arrivent à passer l'avant, attention, il peut y avoir. Ce serait Falta. Aha. Un petit cadeau donné aux Espagnols, 6 à 7. Ce serait quand même une première que les Mexicains l'emportent à Paleta Cuir. À Corta. En moins de 22 ans, en oui. En moins de 22 ans, oui. Ils ont été champions du monde en 2006. Et décidément, un prêté pour un rendu. L'Espagnol qui fait but faux également derrière. Ça permet au Mexique de signer le 8e point. Et on se souvient du mémorable mondial au Mexique avec Ledesma et Mendiburu. Surtout moi. Et surtout vous. Et alors figurez-vous, Christophe, j'étais en train de me dire, c'était contre qui? Contre Jeannot Wellman et moi-même. Jean Wellman. Voilà. Nous menions 33-26 en demi-finale. On perd 35-33. Et derrière, il gagne le titre contre Caballero et Richie Gonzalez, qui est malheureusement décédé l'année dernière. Ouais. Tragiquement. Et je me souviens de Ledesma notamment, qui avait quand même été. Ils avaient été énormes. Avec Pachi Mendiburu, l'air de jeu leur convenait bien. C'était très lent, c'était difficile de les déstabiliser. Pardon d'avoir réveillé ce souvenir douloureux. C'est vrai que. Voilà. Non, mais c'est vrai que. J'ai pas fait pire. Hein. C'est déjà bien. Bon, les Mexicains, par contre, eux, eh bien, ils distribuent bien avec ce revers toujours un petit peu atypique au milieu de la cancha. Mais également des coups droits. Bonne longueur. Hein. Bonne longueur. Ça rentre bien. C'est là et ça qui rentre, donc danger. Et voilà. Voilà. Vous l'avez dit, dès que l'avant rentre en avançant. C'est Molina qui allonge pas assez. Il a une pelote en avançant. Il râle hein, d'ailleurs. Il est pas content après sa frappe. Il le sait que c'est sa faute. Il a pas passé son vis-à-vis. Et là, ça pardonne pas. Bah, et ça joue en avançant et imprime de la vitesse dans le couloir. 8 partout. Moment clé là. Oui, mi-partie de la manche. Donc. Celui qui prend quelques points là, voilà, et à l'approche des 15 points. Voilà, le but de l'Espagnol, assez long. Pas du revers. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré. Ben il a joué trop droit sur une pelote qui avait l'effet et qui méritait d'être jouée du revers ou de la gauche pour ceux qui jouent des deux mains. Mm-hmm. Alors avec le revers, c'est leur point fort, je ne comprends pas. Ils jouent beaucoup trop de la droite des Mexicains. Alors que c'est le revers de leur arme. Ah oui. Pacha. L'Espagne 9, le Mexique 8. Toujours aussi incertaine. On le savait, cette partie, qu'elle serait indécise, pris à bout de pala, celle-ci. Et le Mexicain qui, à la Pyrrhus, essaye de sauver ce point, mais la pelote en bas ne lui permet pas de qu'elle soit redressée. 10 à 8 pour l'Espagne, rien d'acquis en tout cas. On a ce soir une jolie chambrée avec nos amis américains là-bas aussi. Voilà, ils sont là, les Américains. On les voit. Go USA, la famille Saldumbide. Voilà, avec le petit Iban qui a été le rayon de soleil de ses débuts de mondial, 15 ans, le plus jeune des compétiteurs. Ah, une faute directe de l'avant là qui remet les Mexicains. Et qui montre que rien n'est acquis pour l'Espagne. C'est une pelote qui demandait pas à être. Forcé, non, il a forcé. Ouais, elle aurait pu être forcée, mais bon, elle est quand même. On considère que c'est une faute directe. Hein. Oui, parce qu'il a tout provoqué au milieu du fronton. Mm-hmm. Une pelote, on ne doit pas rater ça.
Oui, donc une jolie chambrée ce soir. Hier, c'était aussi mignon, mais voilà, on a remarqué que le mélange des spécialités, c'est vrai l'hiver aussi, fait que le public se déplace volontiers pour voir un programme plus éclectique. Et là, on a quand même des gradins bien garnis. Voilà. Par contre, demain, samedi en tout cas, donc pour ces finales, c'est archi, archi plein, non high billettes. C'est une belle réussite, ce mondial, voilà, à Biarritz. Le lieu est magnifique. Date était bonne, vacances scolaires. Le temps, clément. C'est-à-dire qu'on regarde, on voit qu'il ne pleut pas, on reste pas chez soi au coin de la cheminée. On va voir. Et voilà. Puis il n'y a rien à la télé, de toute façon. Non, pas terrible. Voilà, et donc ce mondial sera une réussite populaire. Voilà. Avec donc, je le rappelle, l'Espagne qui vise un quadruplé, puisque l'Espagne est en finale à main nue individuelle, par équipe, le Mexique également. L'Espagne est en finale à Palacorta. Voilà. Mais si elle perd là, eh bien. Le Mexique peut faire trois finales, du coup. Et du coup, le Mexique peut faire trois finales avec. Bon. Là, à main nue individuelle, il faut voir un jeune Alva mexicain là, qui a bien plu. Alors qu'ici, voilà, un peu de longueur, ouais. La pelote s'écrase. Et l'Espagne qui signe le 11e point. 9 pour le Mexique. C'est toujours l'incertitude au bout du paletón. Le gaucher, l'arrière espagnol qui bute donc du côté droit pour sa pelote, évidemment, recolle à gauche. Ouais, c'est un peu timoré quand même, c'est le problème un peu. Même l'arrière espagnol, cette pelote en avançant, là, elle n'est pas partie très fort de sa palette. Hein. C'est pas très rassurant. Bon, il fait le point, évidemment, mais ce n'est pas une frappe très franche, on va dire. 12 à 9 pour l'Espagne avec ce but. Il a touché souvent, enfin à 2-3 reprises le mur de gauche. Je crois que c'est un deuxième but de fond. Troisième. Et donc. 10-12. Si Serpa Sapala, évidemment, voilà, 10-12, il a remis l'arrière espagnol, les Mexicains dans le sens de la marche. Ah, bien buté au cordeau et ça fait le point. Très bon but. Il bute très bien. Il a fait des passades de peu en début de manche et là il a bien réglé. Attention, 11-12. Alors là, la pelote aussi qui est assez vive. Voilà, quand on bute bien, on touche très très vite le mur du fond. Ouf, c'est. Ouais, là. Ça part pas trop. Oula, sauvé par le revers. Et là, ça va être difficile, mais bon. Voilà, ouais, bien ramené. Allez, rebot. Un revers magnifique de Molina. À la volée. Bien tapé. Et là, ça part et ça va rentrer. Et oui, et ça rentre. Un peu de réussite. Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite. Ouais, de la part du Mexicain, parce que sa pelote complètement est. Complètement échappée de la palace. C'est échappé. Ouais. Et voilà, le Mexique qui est en train de créer peut-être la première demi-sensation de cette soirée. 12 partout. Et peut-être la première manche dans l'escarcelle des Aztèques. Encore un but à la limite du Pacha. La belle gauche là de Moussaoui. Ouais, dès qu'il allonge. Oui. Là il a trouvé la bonne longueur. L'Espagne 13, le Mexique 12. Rien n'est joué dans cette première manche, loin s'en faut. Un point très important, c'est Auritz qui va buter. Qui ne bute pas très bien depuis le début. Il ne faudrait pas qu'il touche le mur de gauche encore. C'est un petit peu son. Ah, et c'est bien collé. Le revers de Molina. Fort en attaque encore. Un point rendu, les Espagnols ont rendu des points quand même. Hein. Oui, oui. On fait des fautes directes. Aux Mexicains qui n'en demandaient pas tant. Et
Égalisation à 13, il y en a eu une demi-douzaine jusqu'à présent. Bon, voilà, les Mexicains, conformément à ce qu'on imaginait, eh bien, mènent une vie un peu compliquée aux Espagnols qui ne sont pas du tout assurés de remporter cette première manche et a fortiori la rencontre. Tant mieux pour le spectacle. À gauche de l'avant, le deux murs. Ah. Il n'a pas hésité. 13 partout, il a une belle pelote, il tire. Il tire, il c'est culturel. Ouais, c'est dans sa nature. Mais oui, mais c'est. Voilà, et ça provoque la faute de l'Espagnol. Voilà. L'Espagnol, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu forcer. Et il est en retard déjà, et ouais, il a forcé. Voilà, donc voilà, ça fait deux raisons. Et puis il sait que le score, c'est pas terrible. Donc voilà, les Mexicains. Et première manche pour le Mexique. Les Mexicains qui signent la première, qui remportent la première manche. 15 à 13. Bon, rien de définitif. Non. Mais en tout cas, eh bien, ça fait bien longtemps que les Mexicains n'ont pas remporté une manche face aux Espagnols. Ça a failli hier à Palacorta. Ils menaient 14-12 ce matin. Non, hier, pardon. Voilà. Hier, c'était pour l'accession en finale déjà. Ils les ont embêtés à Palacorta. Alors qu'à Palacorta, les Mexicains, c'est plus difficile pour eux. C'est, bien sûr. C'est quand même éloigné de leur jeu de base qui est le front tennis. Bien sûr. L'instrument est beaucoup plus lourd et à l'impact, ils souffrent davantage. On a combien de différences de grammage entre la corta et la cuir? Alors, 200 grammes. Ah oui, c'est jusqu'à 800 les pelotes les de Palacorta. D'accord. 800 et on joue autour de 780 en général. 780 devant et 790 derrière en général. On est un peu plus lourd derrière, comme on est plus loin du mur, il faut un peu plus de poids. Mais les Espagnols, c'est un petit peu conforme à ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. Hein. C'est pas très léché comme jeu. Ils étaient à la merci des Mexicains qui eux montent en puissance hein. C'est pas des spécialistes mais là ils sont bon c'est des joueurs c'est des très très bons joueurs de front tennis donc ils ont une technique très fine etc et voilà ils sont très pelotes et puis en jouant comme ça à haute dose parce que ils doublent hein, qui plus est ils jouent à cuir et à corta donc en jouant à haute dose à ces jeux là ils progressent au fil de la compétition. Donc en fin de semaine, c'est pas les mêmes qu'en début. Et donc, ah oui. Oui, c'est. Ah si ça pouvait être comme ça pour nous aussi. Bon. Oui. Eh oui. Non, en fait. Parce qu'on est quand même beaucoup plus fatigués en fait. Tout à fait. Alors qu'eux rayonnent. Ah ouais là, non, ils sont au sommet là. Ils sont. Bon, en tout cas, ils ont remporté la première manche chez les Mexicains. On s'apprête à jouer la seconde et là, il n'y aura plus le droit à l'erreur non. Pour les. Et ça peut se jouer sur 10 points derrière, c'est très peu 10 points. Ouais, donc, quoi qu'il arrive, si l'Espagne veut gagner, il faudra pousser en 3-7 et gagner les 10 derniers points. Allez, le but à l'Espagne, un bon but, mais les Mexicains ont déjà fait le dos rond. Ils ont remisé, mais on ne donne pas la pelote à Molina d'Angers. Voilà, les Mexicains qui jouent en avançant, ça s'est bien tapé en bas. L'arrière mexicain gaucher veille au grain. Mmh. Ouais. Ça a souri à 13 partout. Tapé un peu haut ce demi-heure, non ? Légèrement. Très légèrement. Mais voilà, c'est 13 partout, 0-0. C'est pas le score qui commande ce qu'il fait. Quoi. Voilà. C'est, voilà, alors que d'autres, oui. La majorité des joueurs, bien sûr. Voilà, dans le score, on est plus ou moins frileux. Les risques se prennent aussi à des ouais, moments... Voilà. Se mesure. Se mesure. Pas pour lui. Non. C'est la Grinta, Steck, voilà. Oui. C'est bien buté. Ils butent loin, là, les deux premiers buts de l'Espagnol. Beaucoup mieux. Ouf. Ça leur permet de jouer en avançant. La volée du revers. Bonne longueur. L'Espagne a bien démarré sa deuxième manche. 2-0. Avec un bon but de la longueur et voilà, on essaie un petit peu de jouer plus classiquement en allongeant et en essayant de perturber l'arrière mexicain. Ah, elle rentre. Apparemment, pas de droite. Encore une. Oh, très bien, c'est bien parti. Là. Oui. Par dessous. Oh. Yes. Ouais. Ah, elle bien ramené l'arrière, les rebotes difficiles qui tombaient. Un joli revers. Ouais. Très coupé, qui tombe entre les deux. Tout à fait, voilà, elle tombe entre les deux. Et
Bah, ça, il est obligé de s'écarter parce que Luis Molina a démontré depuis le début qu'il était très porté sur l'offensive. Donc ça ne lui faisait pas peur de tirer des deux murs. Donc Baessa s'écarte du jeu et donc il déserte un petit peu le couloir de gauche entre le 6 et le 7. Et l'arrière ne vient pas, il se fait piéger par l'effet que met Molina avec son revers coupé. Et les Mexicains marquent leur premier point dans le deuxième set, ce qui leur permet de ne pas décrocher. Et c'est compliqué quand on a perdu la première manche et qu'on est un petit peu chassé croisé lors de la deuxième. Oui. L'équipe qui est derrière, qui n'a pas gagné la première manche, elle ne doit pas trembler, mais elle prend certainement moins de décisions. C'est moins confortable. Tout à fait. Par contre, quand l'équipe qui a perdu le premier set démarre très bien le deuxième et même prend l'avance, et on sent que la partie tourne, mentalement, ça s'inverse. C'est vrai. On a souvent vu des équipes qui ont perdu le premier set gagner le deuxième, gagner également le troisième. Oui. Parce qu'on est dans la dynamique toujours. Tout à fait. Les Français à Pala Corta mardi contre... Voilà. C'était l'Espagne. Pour moi, à ce jour, la plus belle finale, la plus belle partie du mondial. Hein, avec c'est vrai. Avec beaucoup d'échanges. Les France-Mexique du Mexique étaient quand même aussi intéressants. Oui. Ouais. Voilà, avec du suspense, avec voilà, pareil, une position de style, mais. Bon, l'Espagne a décidé de ne pas se laisser faire. 4 heures. C'est Auritz qui bute mieux depuis le début du second set. Ça leur permet de. D'y voir plus clair dans le jeu. Parce que vraiment, au premier set, ça n'allait pas du tout. Hein. Beaucoup de déchets. Voilà, là, il gagne le point. Alors là, oui, voilà. Donc, ça, c'est les effets bénéfiques du mur qui touche, de la pote qui touche le mur de gauche. C'est que, bon, soit ça. C'est, quand ça sort pas à faux. Ouais. Il a tapé plus bas aussi qu'au premier set. Au premier set, il tapait beaucoup trop. C'est pour ça qu'elle sortait. Ça file vite vers le filet de droite. Bien revenu, bien renvoyé cette pelote Molina à l'avant, qui rentre à la volée, qui distribue. Et l'arrière a l'air mieux disposé. Un joli missile encore distribué. Et là, ça. Ça envoie. Ah. Oh là là. C'est parfait. Hein. Techniquement, c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. Il faut le tirer, ce demi-heure. Mais c'est parfaitement exécuté. Il a sa pelote quand même haut. Quoi. Oui, c'est puis elle arrive très doucement en plus. Donc il faut avoir un super timing de frappe. Et puis il faut la toucher. Et il faut avoir une bonne zone sur le mur de gauche. Bon, il avait tout en fait. Pas taper trop fort. Non, il a bien dosé. Bien buté. Ah, bien buté. Bien buté. Ça permet d'aligner deux points de rang. 3 à 5. Et de ne pas lâcher. Et de ne pas lâcher, d'être encore dans le coup. Les Mexicains sont toujours dangereux. Ils ont remporté la première manche. Voilà qui était bien buté. Ouais, encore très bien buté. Il a hésité à la prendre parce qu'elle n'est pas loin du Pacha, mais s'il la laisse. Oui, mais le coup d'avant, son arrière n'a pas remis, n'a pas ramené. Donc là, il se dit qu'il veut aider, mais il ne fait pas mieux. Voilà, les Mexicains qui alignent 3 points de rang et qui reviennent à 4 à 5. Voilà. Encore bien buté ici. Voilà, et ouais. Parfait. Un but précieux, il a un petit peu tardé à avancer parce que bon, mais bon, comment faire ? Soit on attend, soit on avance. Il vaut mieux avancer, mais il a tardé à démarrer. Il l'a mise par terre cette pelote, les Mexicains égalisent à 5. Ils se sont remis dans la partie. Ouf, je sais pas. C'est avec une décontraction mexicaine. Oui, complètement. On pensait qu'il allait se sortir plus finalement. Mais non. Il est précieux cet arrière aussi. Hein. Il est quand même. On parle beaucoup de Molina, mais. Défensivement, il est bon. Plus c'est difficile, mieux il est. Voilà, on met la pala, ça part. Voilà, ça va aller au mur. Et là, par contre. Ouais. Ça.
Ça mange pas de pain. Voilà. On a vu dans la partie d'avant Lucas, dans les mêmes, Lucas Osorio sur les mêmes positions, ne pas hésiter à tirer de mur. Il avait de l'avance au score. Là, l'Espagnol n'a pas d'avance dans la même situation. On reprend sur quelque chose d'un peu plus sécuritaire. À l'Espagnol. Oui. Ah, mais nous, on dirait à la piscayenne, c'est-à-dire la rigueur. On ne déroge pas d'un système de jeu un peu. Du pragmatisme. Un pragmatisme un peu obscur, un peu. Mais. Ça paye. Qui a prouvé qu'il était efficace aussi. C'est ça. Voilà. C'est l'arrière mexicain qui se trouve de temps en temps. Il a un geste. Il gratifie d'une espèce de. Ouais, là, de gros pétio. C'était pas très beau, non. Voilà. L'Espagne qui est repassée devant, 7-5. Dans cette deuxième manche de la deuxième demi-finale à Palette à Cuir. On le rappelle, la France tout à l'heure s'est imposée en deux manches nettes et sèches. Orsorigaray et Lagarde disputeront donc la finale contre une de ces deux équipes. Pour l'instant, c'est le Mexique qui crée la sensation en ayant remporté la première manche. Mais là, l'Espagne, en rangeant, en distribuant, en serrant le jeu avec ce mur de gauche, eh bien. Un peu de réussite là, il a pris une pierre sur le. Il a pris une pierre, ça arrive de temps en temps. Il y a un petit souci de mur un peu voilà, disparate. Bon. Il faut dire cet endroit quand même, il en a reçu les pelotes. Oui. Un peu... Ah ouais, ça c'est des fautes à répétition qui coûtent cher, 9-5. Ils étaient bien revenus, et puis l'Espagne, c'est l'Espagne maintenant qui fait une série de 4 points. Après la série de 4 du Mexique tout à l'heure. Avec un, pour base un but, le bon but là qui est de Sioritia qui allonge là. Les Mexicains qui s'en sortent pas. Ah, c'est bon. Là c'était perdu d'avance. La pote qui touche juste le mur. L'Espagne qui a pris 5 points d'avance. Au tiers de cette deuxième manche, 10-5. Mexicains un peu plus timorés qui font des fautes, qui sont un petit peu sous la pression de ce jeu un peu plus régulé des Espagnols. On est revenu aux fondamentaux. Ouais. Voilà. Avec cet arrière, c'est Auris qui bute mieux, bien mieux, plus lent. Ce qui permet à son avant, Bionsa, de. D'accélérer le jeu et. Oula. Ah, j'allais dire c'est bien tapé, juste. C'est très bien tapé. Cette pelote qui va. Tempo demandé par le Mexique. Pelote qui va juste. Tempo sorti demandé. Dans la zone de l'avant, hein, dans le mur de gauche. Dans le mur. Voilà, c'est un tempo demandé par le Mexique qui est à 6 points. L'Espagne 10, rien de définitif. Les Mexicains ont l'avantage d'avoir remporté la première manche. On voit un deuxième set un peu décousu. Il y a des séries de points de part et d'autre. Les Mexicains ont fait 4 points consécutifs pour revenir à 5 partout. Les Espagnols menaient 5-1. Après, c'est parti 9-5. 10-5 même. 10-5 pour l'Espagne. Ouais. Donc voilà, c'est par série. Donc peut-être que le Mexique va en faire une maintenant. Après ça, après la reprise de temps mort. Ce point serait important. Si l'Espagne bascule 11-6, bon, ils seront bien partis pour égaliser une marche partout. C'est un point important. Une reprise de tempo, c'est toujours difficile à gérer parfois. Mmh. On voit les Espagnols qui se parlent beaucoup là, qui se rassurent. Allez, le but au Mexique. L'Espagnol qui remet une bonne pelote pour Molina qui l'exploite moyennement parce qu'il fait un grand palette. Sauf vous secouez beaucoup la tête. Oui, l'arrière espagnol. Vous aimez la précision, je le sens. Non, là, voilà. Ah. Ouais, l'arrière espagnol ne me rassure pas du tout. Il est assez imprécis, oui. Il est, ouais, puis.
Le bruit dans la palace, ça... Ah, c'est le bruit. Il touche pas très bien. Voilà. Il touche pas très ça bien. Ça clonque un peu. Un petit peu. Et il laisse la pelote devant et les Mexicains en profitent. Voilà, il a fini par céder. Ouais, les Mexicains se rapprochent, 10 à 7. Cambaesa touche pas la pelote. Ouais. Ouf. Ah, c'était bien. Là, c'est mieux. Ça va. On fait le point du coup. Ouais, ouais. 11 à 7. L'Espagne s'apprête à égaliser lors de cette deuxième manche, mais rien n'est fait. Et ça tient peut-être justement à la prestation de l'arrière espagnol. Donc on a vu qu'il pouvait bien empaler, mais aussi beaucoup moins bien. Et forcément, quand on empale moins bien, le tir est plus court. Ouf. Ouais, c'est... Je sais pas si c'est un choix ou si regarde, c'est... Non, il regarde sa palage. Je vois qu'il est surpris de l'endroit où il a mis sa pelote. C'est pas très rassurant. Est-ce que sa palage n'est pas fêlée? Non. Bon, pas lui, il n'a pas là. Non, mais c'est des joueurs qui doublent. Et donc, voilà, c'est un petit peu les limites de ça, à mon avis, techniquement. Oui, la Palacorta, quand on joue à Palacorta, c'est pas le même coup de bras qu'à Paleta Cuir, et inversement. Donc, Garcelus, il les fait jouer un coup à Paleta, un coup à Palacorta, les deux joueurs qu'on a là sous nos yeux. Voilà. Il a pris beaucoup trop en bas, oui, cette pelote. Bien sûr, c'est un problème de lecture de trajectoire, il est en retard. Il s'est fait piéger un petit alors, peu. Alors en bas, c'est pas très grave si on est, comme vous dites, oui, dans le mouvement. Quoi. Dans le mouvement, mais il a tapé arrêté. Il est arrêté. Donc. Arrêté, oui. Bon, et bien, les Espagnols, petit à petit, s'acheminent vers le gain de cette deuxième marche, mais rien n'est fait. 8 à 12, les Mexicains, par à coup, reviennent. Un point par-ci, un point par-là. Mais là, voilà. Ouais, ça fait beaucoup de points. Il fait énormément de points à l'avant espagnol. Et il est en train de sauver la patrie, là. Voilà, il est en train de sauver le navire ibérique. Donc, on va peut-être s'acheminer vers une troisième manche. Ce serait bien. Oui. Il y a eu, d'ailleurs, très, très peu de troisième manche durant ce mondial. Je crois qu'il y a eu une demi-douzaine, pas plus, cinq parties sur... Le Cuba-Mexique avant, oui. Oui. Mais il y a eu 6 parties en 3 manches. C'est peu quand même. Oui, c'est assez peu. Donc c'est. Mais ça reflète un peu l'écart parfois, voilà, qu'il y a tout à fait entre les nations. Ah oui. Un Pacha et un deuxième Pacha. Donc c'est Falta. La pelote a dépassé à 2 reprises le numéro 7. On offre un nouveau point au Mexique. Qui revient à 9-13. Le grignotage continue. La chapa, la ligne, il a voulu attaquer. Un nouveau point offert aux Mexicains après le but, c'est la chapa, 10-13. Bon. Il faut conclure. Et est-ce que, et on dit toujours, effectivement, que c'est toujours difficile de faire le dernier point, quel qu'il soit. Oula, il recule. Ah, là, il s'est perdu. Voilà. Il a envie de prendre les affaires en main. Il sent que... Ouais. Alors qu'à l'inverse, voilà. Il est meilleur en défense qu'en avançant cet arrière. Ça, c'est pas mal. Bien joué. Bien joué. Ah ah, 11 points pour le Mexique, 13 pour l'Espagne. Attention, attention. Un excellent de Murlan de Luis Molina qui a cherché le côté droit volontairement de Siauritz et qui le pousse à la faute. Le but est long, trop long. Et si les Mexicains marquent un nouveau point à 12 à 13, les palas vont peut-être commencer à trembloter du côté espagnol. Aïe. Ouf. Oh là là. Baissez-vous, oui, oui, aux oui. Abris. Oh là là, il y avait tout le monde devant, il a forcé. Ouais. Ça c'est mieux. Allez, gaucher, Molina précieux du revers.
Ça faute, aïe, ça. Aïe, aïe, aïe. Il se fait piéger par l'effet de Molina. La pelote lui pique devant le nez. Et lui monte. Et voilà, il fait une faute de technique. Il se fait piéger par l'effet donné par le Mexicain avec son revers. 12 à 13. Hein. Voilà, on l'avait dit, les Mexicains ne s'avouent jamais perdants. La grinta s'accroche toujours. Un bon but. C'est bien revenu, mais le revers de Molina fait mal. Aïe, 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 là, c'est trop bon. Au milieu. C'est pas, et ça sort. Oh là là. Égalisation à 13. Alors là, ils se sont mangés. Là. Ah oui, là, c'est une énorme faute de Baeza. Il est resté de face pour jouer sa pelote. Molina n'avait pas fait son meilleur coup de la partie juste avant. Mais Baeza, vraiment faute directe là. C'est leur meilleur atout. Et si lui, il se met à fauter. Je ne voudrais pas être à la place des Espagnols parce que c'est toujours à 13 partout. Ouais, là, c'est compliqué. Là, alors si, là il ne faut pas prendre de risques. Non, mais ils n'en ont pas pris jusqu'à présent. Le Mexique peut en prendre. Ils vont en prendre. Le Mexique. Palette, ça, c'est pour l'avant, il les aime. Voilà. Et ça revient. Oui, c'est pas mal ça. Attention. Voyons. Voilà, attention à ça. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Et oui, encore avec l'effet. Encore avec l'effet de Luis Molina. Il y a une grande palette qui est partie des Espagnols. Il ne faut surtout pas faire de grande palette contre le Mexique. Ils adorent ça. Oh non. Oh non. Oh non. Molina qui harangue. Molina qui est chaud. Voilà, qui est à l'image des. Voilà. C'est congénère, il aime quand ça. Et Nubia pour le Mexique, c'est incroyable. 14 pour le Mexique, 13 pour l'Espagne. C'est faux, c'est faux, c'est fini. Et voilà le Mexique. Le Mexique est en finale à Palette à cuire. Alors là, ah, c'est juste incroyable. Ouais, L'Espagne a mené 13 à 8 dans le deuxième set. Et c'est la douche froide pour les Espagnols, c'est incroyable. Alors là, le Mexique, évidemment. C'est la fête, on s'embrasse, allez, on se couche dessus. Bon, eh bien, écoutez, on a assisté à cette, on va dire, une première grosse surprise. Ah, elle est immense. Voilà. Ouais, en 2-7 en plus. En 2-7, le Mexique s'impose face à l'Espagne en demi-finale de Palette à cuire et disputera la finale contre la France. Attention, piège. Oui. Oui, mais c'est une finale, il faudra gérer le côté émotion. On est chez nous, donc là, on va voir des gens nous dire « Oh, c'est bon, l'Espagne a été sortie, etc. » Mais pas du tout. Un peu de, voilà, c'est un peu un syndrome français, ça. On croit que, voilà, on est jamais très bon quand on est très favori. Par contre, quand il n'y a rien à perdre, là, on fait souvent des exploits. Enfin, l'histoire du sport français le prouve. Alors, bon, attention, il faudra être sérieux, imposer son jeu. Voilà, on répète toujours les mêmes choses, mais... Voilà, donc les Mexicains montent en puissance. Et les Français sont pas mal non plus. Les Français, depuis le début de la semaine, quand même, ont prouvé qu'ils étaient très bien. Parions sur une belle finale, en tout cas. On va parier sur une belle finale, c'est sûr. Les Mexicains seront gênants. Si on n'impose pas notre jeu, c'est à coup sûr, ça sera gênant. Christophe, on va se retrouver sûrement demain. Avec plaisir. Le Mexique et la France disputeront la finale de Palette à cuire. La France et l'Espagne à Palacorta. Espagne-Mexique à Mernu. Demain, à partir de 15h, les finales de ce mondial 36 mètres des espoirs. Merci de votre attention et à très vite. Au revoir, merci Christophe. Au revoir, merci beaucoup.